Moi, c'est Mamadou Lamarane, le chef de quartier de Nassourlaye, commune de Ratoma. Qu'est-ce que vous savez de cet autre meurtre? Bon, c'est dans les environs de 17h30. On m'a tenu informé qu'il y a un jeune qui a été atteint d'une balle dans mon quartier. Et je suis venu maintenant m'enquérir des immeubles. Effectivement, j'ai trouvé le corps en place. Et qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, on parle dit que selon les informations que nous avons reçues sur place, que le jeune est sorti de la maison, il n'est pas manifestant. Il est sorti de la maison, il partait prendre les ablutions pour la prière de 17h30. Mmh. C'est en ce moment que les gendarmes ont poussé les jeunes du quartier, les manifestants. Ils l'ont aperçu rentrer dans les toilettes et je crois que c'est un manifestant. Ils sont venus maintenant le tirer là-dedans directement. Et en tant que chef du quartier, comment vous jugez cette attitude des forces de l'ordre? Non, c'est déplorable. C'est déplorable. C'est pas comme ça qu'on l'a dit. Parce que nous avons tenu des réunions. Mais c'est pas comme ça qu'on a dit aux forces de l'ordre d'agir. Mais ici, ils ont agi par la bavure. Ils n'ont pas cherché à savoir si le jeune est manifestant ou pas. Ils ont venu directement l'attaquer dans les toilettes. Avec les brouillards, ils l'ont tiré. Mais c'est déplorable. Ce n'est pas une force démocratique, ça. Merci et bon courage. Merci beaucoup, monsieur.